Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine. Et cette semaine, semaine un petit peu particulière. Pourquoi? Je vous explique. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais fait la vidéo Too Good To Go? Je vous avais présenté justement l'application, je l'avais testée pour la première fois. D'ailleurs je voulais vous la présenter, mais apparemment tout le monde connaissait dans les commentaires. Ouais, on connaît déjà. J'étais un petit peu à l'ouest les gars. Mais bref, cette application, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui lutte contre le gaspillage en vous offrant justement la possibilité d'acheter les invendus du jour, que ce soit dans les restaurants ou dans les magasins, supermarchés, etc. Et en fait, en gros, j'ai reçu un mail de Carrefour qui veulent faire passer un message, donc moi je le fais passer avec grand plaisir. En fait, tout simplement, Carrefour, depuis qu'ils sont sur Too Good To Go, ils ont sauvé plus de 500 000 paniers, et ça, je trouve ça insane. 500 000, c'est un chiffre juste énormissime, et du coup, bah, je trouve que c'est vraiment un signal fort de la lutte contre le gaspillage. C'est, voilà, je vous le partage, les gars, c'est important. GG à vous, Carrefour, et GG à tous les autres, GG à tout le monde d'ailleurs qui sont sur Too Good To Go. Et la question que je me posais, en fait, en gros, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il y a dans un panier Carrefour? Et bah, sachez, les amis, que je vais faire une expérience sociale. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Toute la semaine, je vais aller chercher mon bag Carrefour. On va faire un opening et c'est ce que je mangerai le soir. Un bag, il me semble qu'au lieu de 13 euros, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 3,99 euros. Donc c'est vraiment bah, pas mal en fait. Hein. T'as l'équivalent de 13 euros. Et j'ai envie de voir du coup toute la semaine ce que j'aurai. Si j'ai souvent les mêmes bags, si des fois j'ai plus du sucré, du salé, des sauces. En fait, je sais même pas ce qu'il y a dedans, je vous avoue, je sais pas du tout. La seule fois que j'ai utilisé Too Good To Go, c'était pour une pizzeria. Donc on va voir. Ça va être intéressant, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. On va se voir toute la semaine, on va pouvoir se parler toute la semaine, ça va être cool. A tout de suite. Bon les petits potes, J numéro 1 le premier jour les gars. Tout simplement, bah, j'ai commandé mon panier, je vais aller le chercher là au Carrefour du coin. Il est 14h56, donc en fait au final, c'est moi je pensais que c'était le soir qu'on allait récupérer. Mais non, je peux aller récupérer entre 15h et 16h. Et j'ai fait ma commande à 12h39 pour être exact. J'étais étonné, je pensais qu'il fallait se réveiller super tôt pour commander le truc. Et je pensais qu'il fallait genre quand le magasin allait fermer, mais non. Là c'est vraiment totale découverte, hein, fin de semaine. T'inquiète pas que je vais le connaître le magasin. Même si je pense que je vais essayer de faire 2-3 Carrefour différents. Mais voilà, je vais connaître l'étape à suivre et les démarches à faire pour aller chercher mon panier. Là, je suis en mode noobie. Hein. Là, il y a mon taxi. Petit Comment là. Ça, ton taxi? Vas-y, je suis pas peur. Hein. Tu crois qu'on aura des choses bonnes ou pas? Bah, moi, j'ai juste peur, c'est que on ait que des trucs sucrés et que ce soir, du coup, on mange des gâteaux. C'est le moment de déballer tout ça, les gars. Donc, on a eu quoi? On a eu de la salade. On en a eu deux. Ça, c'est pourri, Loulou. Ouais, j'avoue, bah, je sais pas. Si tu découpes, tu prends le cœur. Ah, je vous avoue que, ouais, faut savoir cuisiner pour ce genre de truc. Et vu que c'est un Carrefour Express, il peut y avoir beaucoup de fruits et légumes, ouais. Ça, c'est quoi, ça? Grillé aux pommes, individuel. Un petit croissant. Et ça, à la limite, pour le petit-déj de demain, en vrai, hein. Bah, en fait, ouais, c'est taper tout le rayon petit-déj aussi. Du carton noir. Du carton noir, mais attends, mais ça périme ça. 2020. 7-2020, pourquoi ils nous l'ont donné? Bah, ça, c'est Mega Wars du coup, hein. Je sais pas, ça vaut combien, mais je vais mettre ici. Ah, ouais, gars, il commence à être périmé. Ah, ouais, celui-là, il est quand même. Amoché en fait. Ouais, il est amoché, hein. Mais c'est vrai, c'est pas pour faire les difficiles, mais regarde, ils mettent vraiment les. Ah, bah, de toute façon, tout le monde voit ce qu'on voit, hein. Mais après, en soi, tout est récupérable, hein. Ouais, c'est vraiment que des. Là, on est que du rayon fruits et légumes et. On va mettre à gauche. Ce qui me donne moins envie, quoi. On a quoi? On a du coup ce qui est vraiment. Voilà. Bon, c'est sauvé, mais est-ce qu'on va vraiment le manger? À la limite, on peut essayer de le couper, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça, bon, bah c'est de la salade, les gars. Les pommes. En vrai, ces pommes-là, ça va. Hein. En plus, c'est des bonnes pommes, hein. 3,99 sur ce premier panier. Est-ce que ça vaut le coup? Faudrait voir le prix de ça, en fait. Hein. 1,75. Ouais, mais celui-là, 2,25. Ça vaut carrément le coup, là. Du coup, c'est. Mais si. Bon, bah, le problème, c'est qu'il faut pas. Tu sais, moi, je voulais manger soir. Là, techniquement, ce soir, on va manger des pommes et de la salade, quoi. Bon, bah, on se retrouve pour le jour numéro 2, hein, pour faire un nouveau débrief, les gars. Les petits potes, jour numéro 2. J'ai commandé mon panier. Je vais aller le chercher, je vais aller me dépêcher. Je dois aller chercher Pidi aussi chez coiffeur. Bref, je raconte ma vie, mais c'est normal, hein. Vous me connaissez, les gars. Je la mon top modèle, ti. Hello à nos familles, ça casse. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Une note sur 10, je veux dans les commentaires. Tu fais trop le top modèle là. Bon Loulou, pronostic aujourd'hui? Moi j'aimerais bien avoir des gnocchis ou des chips. Non mais des chips, ça pourrit pas. Je sais pas pourquoi des gnocchis d'ailleurs.
On est de retour à la maison. On va voir un petit peu. Et on va commencer par une petite orange qui est... pas mal. En vrai, soit tu fais un jus avec. Ouais, c'est pas mal. Il y en a une deuxième. Ouais, bah, celle-là, elle est bien. Là, les fruits, on était régalés. Hein, ouais, j'avoue, les fruits, là, c'est largement mieux qu'hier. Mais ce soir, c'est salade de clémentine, moi, je le dis. Hein. Pour le moment, les fruits, j'avoue, c'est parfait. Ouais. Ensuite... on a une pomme et comparé à l'état de celle d'hier, alors les clean de chez clean, on a eu... je pense qu'on aura ça tous les jours. Hein, des croissants. On a eu du chou. On a du pain. Du pain avec des petites graines, là. On a... en fait, ils ont acheté un gros stock, tu sais, genre ils essaient de les écouler. Moi, je bois pas de café, en fait. Hein. De nouveau, du carte noire bio. Donc là, le panier rentable. Est déjà rentable. Ouais, c'est rentable. Parce que déjà, le carte noire, on a regardé, ça coûte 3,99€. Encore des croissants bio. Rien que ça, 1,75€. Hein. Alors ça, c'est ça, moi, je dis, ce soir, je vais me régaler. Une tartelette au citron. Bon, c'est le régime, mais faut pas gaspiller. Hein. On a eu du pain, comme ça. En vrai, ça fait des bonnes tartines. Hein. Ouais, j'avoue. 1,80 ça, hein. À consommer avant le 27. Pareil, hein, même ça, tu peux faire du pain perdu. 27 ou 25? 27. 27, bah, tu vois, parfait. On a encore de la salade, vas-y, j'en peux plus, là. La salade, vas-y, ça se vend pas ou quoi? Deux paquets de salade, que là, le panier, je le trouve beaucoup plus sexy qu'hier. C'est vrai qu'il est beaucoup plus raffiné. Ah mais là c'est sexy raffiné hein. Jour numéro 2, j'ai préféré que le jour numéro 1. En espérant que ça aille comme ça. Et que demain on a aussi un golden panier. Et qu'on a du lourd. Voilà, regardez-moi ces belles oranges. Allez, ciao l'équipe, bye. Jour numéro 3, les petits potes, et petites déceptions pour le moment. Bah regardez, en fait, je fais que refresh et il y a rien qui est dispo. Il est 14h18, hein, j'essaye depuis 9h du matin. Ah, ça devait arriver, hein. Je vous ai dit, je fais une expérience d'une semaine. Ah ouais, il y a des jours, on est mercredi. Donc, peut-être que le mercredi, c'est un peu plus compliqué, je sais pas. Je vous tiendrai au courant s'il y a de l'évolution, si j'arrive à choper un bug. Il est 19h46 et toujours pas de news. Je pense que bah, plus malheureusement on approche de la soirée, plus bah, c'est critique. Je pense qu'on va devoir passer un jour. Hein. On va passer son tour les gars. Mercredi bredouille. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Bon, c'est pas grave. On se dit à demain les potes. Jour numéro 4 et je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à choper un bag et dans un autre Carrefour. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'on y trouve. Bon, c'est encore un Carrefour City. J'arrive vraiment pas autour de chez moi à choper un vrai Carrefour, une grande surface. C'est que des City ou des markets. Mais au moins, c'est notre adresse, ça va changer. On va voir ce qu'on a de différent dans le bag. T'es prêt pour Too Good To Go toi? T'as vraiment la belle vie. Hein. Pour ceux qui ont connu le mur ici, on l'appelait le mur à souvenirs, bah ça fait mal au cœur les gars, on a tout enlevé. Et ça a laissé des grosses traces. Bientôt le déménagement. Aujourd'hui, le panier a l'air beaucoup plus léger et moins gourmand dans ce Carrefour-là. À voir, hein. J'ai pas regardé du tout. Pour le coup, il m'a donné carrément le sachet déjà fait. Bonsoir, bienvenue dans 90 minutes enquête. Aujourd'hui, nous avons récupéré notre panier Carrefour. Ah, la gueule que j'ai dit. On voit tous les reflets dedans. Ouais, j'ai été chercher des lunettes. Il faut que je mette des lunettes, les gars, pour que quand je conduis, au moins, ou quand je suis sur l'ordi. Parce que ouais, j'ai des yeux en carton de base. De toute façon, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Et ça fait des mois et des années que je repoussais le moment où je devais chercher des lunettes. Du coup, voilà. Voilà ma gueule avec des lunettes, quoi. On va voir, les gars, ce qu'on a dedans, du coup. Nous avons, pour la première fois... un concombre. Une aubergine. Banane, elle est un peu amochée. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand elles sont amochées, c'est parce qu'elles sont noires. Moi, j'aime pas trop. Nous avons du rôti de porc pourri le 28. On est combien, là? Le 28. On est 28? Ouais. Donc ça, faut le manger aujourd'hui, quoi. Deuxième rôti de porc, et je me suis spoil. Des tranches de jambon. Et déjà, regarde. 2 euros. 1 euro. On est déjà à 5 euros hein, sur ça. Ça vaut 3,99€. Hein. Et c'est quoi la date de... Donc ça, c'est le 28 aussi. Par contre, ah ouais, non. Il va falloir manger beaucoup de jambon aujourd'hui. Ah ouais, ça va être de la protéine. Hein. Parce que on en a encore... Ah putain. Il y en a encore une. Jamais 203. Il y en a encore Mais une. Non. Ah ouais, c'est vraiment la journée... la journée du jambon. Hein. On a une petite tomate et nous avons du taboulé. Toi, t'adores le taboulé, toi. J'adore, ouais. Bah, tu sais quoi? Ce midi, on va se faire un petit taboulé avec une tranche de jambon. En vrai, hyper rentable. 3,99€, là, ça vaut archi le coup. Même si c'est pas impressionnant par la quantité. Bon, enfin, si, en fait. Que tu dis deux tranches, quatre tranches. Hein. Bah, voilà. C'était le jour numéro 4, les gars. On se retrouve demain. Jour numéro 5, j'arrive même pas à parler, est-ce que vous m'entendez là? Jour numéro
numéro 5, les amis. On est en mode banane, parce que j'espère que je vais avoir des bananes aujourd'hui dans mon bag. Kaya à mort en ce moment, c'est incroyable. Ouais. Hein. Dites-nous dans les commentaires d'où vous venez et quel temps fait-il chez vous. Parce que ça caille. C'est parti, on va chercher le panier. Ne reviens pas. Nanana, rentre chez toi. De retour à la maison pour ce dernier jour et il y a tout de quoi faire un bon régime là dedans ce que je vois. Puisque nous avons aujourd'hui des petits poireaux. Tu kiffes ça, non? Ouais, j'adore. Des petits pots poireaux. Et mais là, elles sont méga propres, les oranges. Hein. Là, on peut faire un putain de jour, regarde-moi. Ouais, c'est vrai qu'elles sont trop belles. Elles sont méga propres. J'aurais à croire qu'ils en avaient trop dans le bac et du coup, ils nous les ont donné. Ça, c'est vraiment des oranges qu'on achète en fait. Hein. Ouais. Clairement la même. Il y a des radis. D'ailleurs, une question. Radis, vous êtes plus radis cru? Radis avec une petite pincée de sel? Ou radis dans du beurre? Toi, tu prends avec du beurre, non? Ouais. C'est bizarre quand même, du beurre. Non, là, je t'ai en fait ça. C'est ça qui m'intrigue. On a eu une énorme barquette d'œufs, donc à consommer aujourd'hui. Mais ça en fait beaucoup, c'est ça le problème. Et je me posais la question, est-ce qu'ils le mettent? Parce que la date va être dépassée ou est-ce qu'ils sont cassés? Ah non. Ils sont pas cassés, justement. Donc c'est pour ça que j'étais intrigué. Non, ils sont en parfait état. Par contre, une question, une vraie question. Les œufs, une fois que c'est dépassé, c'est vrai que c'est risqué. Moi, je suis déjà tombé malade aux œufs. Et c'est violent, en fait, une intoxication alimentaire aux œufs. Et du coup, je sais pas si, une fois que ça dépasse la date, si tu peux continuer à consommer. Si c'est comme les yaourts, il y a une semaine. Ouais, ouais. Normalement, pour savoir si c'est pourri ou pas, tu dois les mettre dans l'eau. Ouais, ouais. Et si ça flotte, c'est que c'est pourri. Et si ça flotte pas, c'est que c'est ok. Ça a consommé avant aujourd'hui. Bah, tu sais quoi, viens, on fait le test. Hop. Petite bassine. Ça y est, si je porte des lunettes, j'ai l'impression que je suis un scientifique du coup là. Alors, premier œuf. Donc il est bon, ça veut dire. Mais lis un petit peu plus calmement. Hein. Ah ouais. Donc lui il est bon aussi. C'est vrai que j'avais peur, mais non, ça a l'air d'aller. Bah, vas-y, bon, on va craquer des gros œufs ce soir. Hein. J'avais pas vu, il y avait encore des radis. Radis. Ah ouais, ça fait. Bon bah les gars, vous avez un résumé de notre repas de ce soir. Autant vous dire que ça va pas être l'éclate. Hein. Ouais, ça fait poireaux, radis en entrée et des œufs avec tout un petit plat. Avec là, un petit jus frais. J'avoue, ça va être œufs sur le plat, œufs brouillés, omelette, œufs durs, œufs mollets, œufs à la coque. Bah voilà, c'est la fin. Alors moi justement, j'allais te demander résumé de cette semaine du coup. Et bah en un mot, to go archi works en vrai. Ouais. Même si forcément t'as pas ce que t'espères, si t'es pas difficile en vrai. Non franchement c'est ok. Je crois 99 regarde. Franchement, méga rentable. C'est en vrai. Worse, ouais. Si vous êtes pas difficile et si vous voulez participer à la lutte contre le gaspillage en vrai, hein, parce que faut pas l'oublier, c'est à la base l'appli c'est de la lutte contre le gaspillage et puis pour les personnes qui ont pas trop de thunes. Voilà, qui n'ont pas trop de moyens. Du coup, non, franchement, c'est archi rentable. Et bon, là j'ai testé en grande surface. La dernière fois on avait testé en resto. Pareil, en resto c'est méga rentable. Ouais. Donc en vrai, gros GG Carrefour déjà pour les 500 000 paniers vendus. Je trouve le message important à faire passer du coup. Au final, on a kiffé, nous, notre petite aventure. Mais moi, ça fait quand même un petit opening. Et ouais, du coup, j'arrive avec mon petit bag, je sais pas ce que je vais retrouver. C'était sympa. C'était sympa. Le petit côté enfant qui ressort comme avec mes cartes Pokémon, c'est trop bien. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé les petits potes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires avec les pouces en l'air, les abonnements. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao, les petits potes. Des bisous.